intégrer, transformer les uns les autres, en vie d'un monde qui va vite vite. Nous vous prions en ce moment, nous vous prions ce soir, en vous reposant. Merci pour la parole du Seigneur, que pour cela ce soir, que pour une personne particulière, mais pour vraiment, merci à Dieu, parce que nous avons tout le cœur de l'Église pour avancer. On va dire le programme encore, alors, on a une idée au programme, on a une opinion, mais on a le fait de nous aider ce soir. Il fera le loup, une nouvelle idée, et voilà, le prix d'argent. Par exemple, je vais faire d'accord avec chacun. Bien de le faire, par le Seigneur. Hein, pour nous, c'est bien évident, les hommes de Dieu. Hein, ça va bien. Il y a une prison devant lui. Gloire à Dieu. Moi, je vous chante un cantique. Vous connaissez, hein? C'était monsieur Arsichard, dirigeant de sa piste. On le voyait chaque matin, par où il est le même. Le temps goûter de la mine à l'entier, il poussait son chemin à pied. Et plein d'envie, quand il passait, il disait les moyens pour les aller voir. Vous avez travaillé, j'aurai le droit du patron.
même s'ils devaient être parqués dans la rue tranquille, ils sont misés même à son travail en chantant toujours de lumière serrée. Ce n'était pas tant. Je vous bénis. Merci à Dieu, le message, hein, de passer dans le cœur, dans le Seigneur. Merci pour les plans de Dieu. Hein. Des fois, on est venu d'Arjou et l'Église ici, on a pu les rencontrer, on en a des années. Ouais, ça recherche maintenant, mais avec le moyen, ça va être plus grand, le Seigneur. Il y a aussi Gaston qui est là. Je vais m'appeler. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à Dieu. J'ai beaucoup de joie à être là parmi vous. Et puis, quand je suis arrivé, la durée, je vais mettre le menu pour chez l'homme. Pour vous regarder là. C'est très terrible, mais... Bon, au niveau spirituel, c'est pas pareil. Hein. C'est comme ça qu'on doit regarder, non pas avec ces yeux-là, mais avec les yeux du cœur. Avec des sentiments, il y a des choses qui sont en nous. On a fait ceci par là, il y a quelques années. Puis moi, ce soir, je suis venu pour être de râle. Parce que d'un râle, il y a un petit moment qu'on est ensemble. Du moment qu'on fait des réunions, on a été un peu partout, on a fait pratiquement les quatre coins de la France, et puis même l'étranger ensemble, on a tourné, on travaille, et puis vite, tous les dix, puis toujours derrière, jamais un mot. Il n'a jamais demandé à prêcher, lui. Il n'a jamais demandé à chanter. Toujours derrière, avec les guitares tout droit. Puis comme ils m'ont dit d'y prêcher, là, avec un bon sentiment dans mon cœur du Seigneur, vous voyez. J'avais le plaisir d'être là pour les écouter prêcher, ce soir, et puis la Stéphanie, comme elle a chanté tout à l'heure, on m'a touché aussi, parce que pourquoi aussi, depuis des années, on passait plein de problèmes, plein de difficultés. Et puis je bénis Dieu pour eux, ils ont des sorties, c'est là qu'elle voit. Ils venaient là pour prêcher l'évangile. Alors je vais chanter ce cantique là de tout mon cœur et puis je le réalise de bien maintenant. Seigneur, quand je vous prends une ta sainteté. Alors on le chante ensemble. Quand je contemple ta sainteté. Et quand je contemple ta ne va je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie. De l'une raison de vivre.
Merci pour votre mission, votre famille, de Marie Louise et le Seigneur. Merci pour ce jour-là ce soir. Un spécial pour notre rendu dans les vieilles, dans sa maison. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. On va entendre des chants et de voir la parole du Seigneur. Que Dieu, je risque à son de sorte, il n'y a qu'à manquer le feu. Il n'en reste pas. Alors, on honore notre architecte, je suis dans le Seigneur. Alors, il nous dit ceux qui chantent des chants. Que le Seigneur est béni de la part de Dieu, qu'on donne sa maman et son fils, son papa et pasteur, sa femme chante, il est en train de prêcher la parole de Dieu. Quel Dieu bon que nous avons. Mais tout cela, c'est Jésus. Et à combien nous avons besoin de Jésus ce soir? Je demanderai que nous fermions nos yeux ce soir pour rester sur la présence de Dieu à venir. On chante des identiques. Mais je vous demande, si vous pouvez, frères et sœurs, d'intercéder pour ces moments. On a besoin de la grâce de Jésus ce soir. Après le plus grand que j'ai, il était pris dans le bois. Il
voulait pas rester. Il voulait repartir là-bas chez nous. À 10h du soir, il pleurait. Et il voulait nous faire partir, il ne voulait plus rester ici. Et à travers ça, mon compagnon a eu de la peine de me voir. Et lui aussi, il a été un peu angoissé. Et moi, je l'ai regardé, je me demandais pourquoi il était comme ça. Et dans ma tête, je me disais, c'est une grâce d'être ici, une habitude. Et après, quelques jours après, j'ai fait un rêve. Et à travers ce rêve, l'ennemi m'a fait voir mon frère mort. Mais vraiment, c'était tellement fort, j'avais la conviction que je me suis éveillée. Il s'est passé quelque chose chez moi. J'ai dû téléphoner pour être sûr. Et quand je me suis réveillée de ce rêve, vraiment, j'étais bloquée. Je ne pouvais pas pleurer, je ne pouvais pas l'essayer. J'avais comme un poids sur moi. Et je ne savais pas ce que c'était. Enfin, je voyais que ça venait de l'ennemi, mais je me demandais pourquoi. Et je suis allée trouver la sœur à côté, qui est à côté de moi. Et je lui ai dit, et cette sœur m'a dit, elle m'a dit, c'est des attaques de l'ennemi. Mais elle m'a dit, il faut que tu persévères, il faut que tu pries. Alors moi, je suis rentrée chez moi, et je me suis mise dans la prière, et je demandais à Dieu de tout mon cœur. Et quand j'ai prié, j'ai ouvert la Bible, et quand j'ai ouvert la Bible, je suis tombée sur un verset qui disait, dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel et vivaient les grands de leur angoisse. Ils les conduisirent par le droit chemin pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Et à travers ça, j'ai vu que le Seigneur nous a bénis. Et j'ai compris que si on était là, c'était aussi la volonté de Dieu. Parce que j'avais de la crainte, je me disais peut-être qu'on n'est pas notre place. Mais à travers ce verset, j'ai vu que Dieu avait parlé et je remercie le Seigneur. D'abord, mon Dieu, il est bon. Nous savons si après la nuit ici, chanter un cantique. Vous voyez ? Chanter un cantique pour avoir un Dieu. Thank you.
un frère de côté malou, un frère de Tiji. Béni soit Dieu. Ce n'est pas une salutation, mais Jésus est là. Amen. Ou une émotion. Comme le disait le frère, c'est lui qui est là. Sa présence est là. Je vais vous donner une expérience que j'ai eue. C'était à propos de ma fille. À un moment donné, elle était malade. Elle avait 42 fièvres. Elle n'avait même pas les mains. Et on n'arrivait pas à trouver d'où arriver cette fièvre. Donc on a amené à l'hôpital. On a fait des examens. On est resté quelques jours là-bas. Et donc les examens, ça n'arrêtait pas. Et elle ne supportait pas la fièvre. C'était tellement important qu'elle devenait plus de la fièvre. Et ça a duré quelques temps comme ça. Et à un moment donné, le docteur vient me trouver. Et il me dit, voilà, on a fait des examens. On n'arrive pas à trouver pourquoi. Donc on va y faire une ponction lombaire. Et une ponction lombaire, je ne savais pas exactement qu'est-ce que c'était. Je voyais à peu près. Et de suite, j'ai téléphoné sur mon côté. Et j'avais eu quelqu'un de placer, un docteur. Il m'a expliqué, il me dit, monsieur, voilà, si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Si c'est mal fait, ça restait paralysé. Et donc, pour l'examen, il y avait quelqu'un qui devait rentrer. Donc c'était moi ou ma femme. Et ma femme me dit, non, je ne pourrais pas, moi, pas du tout. Donc j'ai été mort. Ils ont commencé à la prendre. Ils l'ont courbé. Donc c'était 3 ou 4 ans. Il l'a tenu courbé. Pour pas qu'il bouge. Et ma fille, elle criait. Et donc le docteur fait l'intervention. Et moi j'étais à côté. Et à un moment donné, j'entends, on l'a manqué. J'ai commencé à être parlé. De nouveau, il essaye. Et de nouveau, j'entends, on l'a manqué. Là, je ne pouvais plus. Là, je ne pouvais plus. J'ai commencé à fermer les yeux. Et je vais lever les yeux vers le ciel. Parce qu'il y a des cas qu'on ne peut plus rien faire. Il y a des cas où on est obligé de fermer les yeux. Et j'ai fermé les yeux. Et j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Regarde notre père. Regarde notre père. Et là, une voix s'est entendue dans mon cœur. Et cette voix dit, tu vois comme tu souffres. Regarde de la manière dont tu souffres. Imagine-moi. Quand j'ai vu mon fils sur la croix. Quand on a la troisième fois, ça a été réussi. Mais c'est toi qui m'a pas fait.
situation, mon Dieu, pardon. On parle des fois par des douleurs, par des problèmes, par des tracas. Et on comprend pas tout. Mais des fois, lui sait. Et j'ai compris qu'il est son père. Parce que on aime tous nos enfants. Plus que l'enfant, il n'y a pas. Et Dieu, à travers cette épreuve, m'a fait voir qu'il a voulu son fils. Non à moitié, mais pleinement. Et qu'il a souffert. Alors, ce soir, si je vous le dis, approchez-vous de la croix. Et vous verrez le miracle qui va se produire.
Je vais comme dire le psalmiste. Voyez une heure d'appel par lui, que lui d'ailleurs. La lumière. Je vais prendre l'élection civique pour le ministère de l'Église. Je n'ai pas été aidée, c'est pas quelque chose de ma prédiction. Dans ma région,
chien là-bas. Il y a un pain de fou. Il y avait des familles. Dans ma région, là-bas, c'est dur, ben, la fête des Vendéliers. On ne savait pas c'était quoi des réunions, on ne savait pas c'était quoi des chrétiens, partir en mission, on ne savait pas ce que c'était. Nous, on a été élevés catholiques, on partait l'été, on allait à Lourdes, on était comme ça, puis on n'a jamais connu les choses de Dieu. Et puis le Seigneur a permis qu'un jour que ma mère, mon père, en partant à Lourdes, ils se sont arrêtés avec une mission. Et puis il y a une femme qui a dit qui a invité ma mère à la réunion. Et ma mère a dit oui, elle a été à la réunion, vraiment ça l'a plu. Elle a ressenti la présence de Dieu, elle a ressenti quelque chose devant. Alors, elle a voulu encore aller à la réunion, mais mon père, il ne voulait pas, il était contre toutes ces choses. Il dit, tu n'iras pas à la réunion, c'est une secte, et pour lui, c'était une secte. Il ne voulait pas, c'était pas la peine, il ne voulait pas la laisser aller. Mais après, ben, le Seigneur, on est revenu chez nous, dans notre pays, là. Et puis ma mère, ben, durant cette mission, là, ben, ils n'avaient pas de musicien, ils n'avaient pas de guitariste, mon père, c'était un guitariste. Et puis ça fait que ma mère a dit, tu viens jouer, et puis comme elle disait, tu viens, tu viens. Et puis il dit oui, il dit je viens pour te faire plaisir. Et ça fait qu'il a joué en dessous de la réunion, mais le Seigneur travaillait sans père, c'était un plan de Dieu pour eux. Et moi je voyais ce foyer changer. J'ai rencontré Dieu à travers mes parents. Je les ai vus vraiment changer. J'ai vu qu'ils avaient une paix sur eux, j'allais aux réunions, je voyais que les chrétiens ils avaient une paix sur eux, et puis que le Seigneur, je voyais que le Seigneur était bon. Moi j'avais peur de la mort. Tous les soirs avant de m'endormir, j'avais peur de mourir dans mon sommeil, j'avais tout, des pensées bizarres avant de dormir, j'avais peur de mourir, j'étais angoissée, et puis le Seigneur, eh ben, il a permis que je dorme en paix, parce que mes parents ont connu les choses de Dieu. Aujourd'hui, ils se sont baptisés en mission, là. Et puis aujourd'hui, il y a des serviteurs qui ont été là-bas. Que moi, Seigneur, depuis qu'il m'a été chrétien, j'ai voulu suivre, j'ai voulu tout faire. J'avais 15 ans, je voulais me baptiser. Ma mère ne voulait pas, j'ai attendu un an pour me baptiser. Et puis je me suis baptisée là, la convention, à Chaumont. Et puis le Seigneur, ben, mon baptême, ça faisait un an que je l'attendais. Mais comme le jour qui est arrivé là pour me baptiser, je ne sais pas si c'était pas une joie pour moi. Je sais pas, je le dis, Seigneur, mais ça devait être une joie pour moi. J'étais contente, ça faisait un an que j'attendais pour me baptiser, mais ça n'a pas été. J'étais triste, je sais pas. C'est comme si il y avait un poids sur moi. Et puis après, comme on est parti là, Seigneur, comment j'ai été bénie. On est parti de la convention avec les autos, les campings, et puis j'étais dans la voiture avec ma mère, et puis je parlais en langue, et puis je priais tout le long. Je dis, Seigneur, c'est pas possible que tu me bénisses comme ça. Et puis comme on est arrivé là-bas, dans mon pays, là-bas, et bien, il y a un serviteur qui est venu avec le camping, il a rentré dans le terrain. Le monde, il connaissait pas les choses de Dieu, rien. Et puis ça l'a fait que maintenant c'est évangélisé, c'est une œuvre pure, c'est mieux que vous la mettez à cœur. On est dit chrétiens, ça fait 5 ans qu'ils sont là-bas, et puis il faut que ça avance, le Seigneur va venir, je le crois dans mon cœur. On est les premiers étudiants là-bas, et puis le Seigneur va tout faire. Parachute. J'appellerai une sœur, vous voulez chanter la petite, sœur Chanel.
Thank you.
Avant, dans le ciel, les gens le servaient, ils servent toujours. Réunis prix, vous, le Seigneur et sans le Seigneur, Daniel pour vous, laissez ce soir la porte ouverte de vos cœurs. Et Dieu va vous parler. Et là, Dieu viendra pour nous voir. C'est tout. Merci à Dieu d'être là. Vous savez, tous les garçons qui sont levés, qui sont en terre, même ceux qui sont assis. Devant Dieu. J'ai eu mon pour eux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'ils savent qu'ils me présentent à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Béni Ralph, par au nom de Jésus. Béni par au nom de Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Vous savez, devant Dieu, c'est vrai. La médaille, il a dit le mot de suite. J'ai dit merci, Seigneur. Je demandais un petit.
un petit signe à Dieu pour voir si c'était son plan. Et je voudrais vous parler aussi, je voudrais vous parler ce soir de la différence qu'il y a entre le plan de Dieu et le choix de Dieu. Il y a une grande différence entre le plan de Dieu et le choix de Dieu. C'est que le plan de Dieu, n'importe quel homme. Le plan de Dieu, Dieu a fait un plan dans son éternité, comme Jimmy nous a appris. Et Dieu est le commencement et la fin. Et tout homme rentre dans le plan de Dieu. Amen. Même un inconverti rentre dans le plan de Dieu. Un inconverti, il va donner une petite pièce pour faire monter une salle ou pour acheter quelque chose. Et l'inconverti, il rentre dans le plan de Dieu. Mais le choix de Dieu, c'est tout à fait différent. C'est Dieu qui pose ses regards sur un homme, sur une femme. Il la prend et il la met sur le côté en particulier. Et il s'en sert quand il en a besoin. Gloire à Dieu. Et j'ai trouvé un homme dans la Bible et ça m'a touché. Ça m'a touché parce que à chaque fois que j'ai voulu expliquer à un copain ou alors à ma femme, je n'ai pas pu parce que ça m'a touché. Et un jour, un homme était choisi de Dieu. Et cet homme, c'était Abraham. Il est marqué dans Genèse 12:1, Dieu parla à Abraham. Et lui dit, Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie et quitte la maison de ton père pour aller dans un pays que je te montrerai. Vous savez, c'est tous, nous là, c'est tout ce qu'on a fait. On a tous quitté nos familles, on a tous quitté notre patrie. Vous savez, pour certains, il y en a qui étaient bien au chaud, certainement. Il y en a qui avaient l'eau et le courant. Il y en a qui étaient bien et qui ont dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on est venu faire là? Jésus, on a tous quitté nos familles, et qu'est-ce qu'on est venu faire là? Parce que Dieu avait un plan pour nous. Amen. Et on a répondu présent au plan. Vous savez, je voudrais vous dire que Dieu ne nous a pas fait de fausses idées. Il ne nous a pas dit que ça allait être facile. Il ne nous a pas dit que on va marcher sur des roses, non. Il ne nous l'a jamais dit, ça. Mais vous avez cru quand même. Et vous êtes venu ici. Amen. Et vous savez, aujourd'hui, c'était les Seigneurs. La parole de Dieu. Malgré les difficultés, je voudrais vous dire, parce que des soucis, il va en avoir. On est au commencement. Hein. Des soucis, des problèmes, il va en avoir. Ben, je voudrais vous dire, malgré les difficultés, ben, je voudrais vous dire, allons-y. Amen. On y va avec ton combat. Gloire à Dieu. Ton combat. Et cet homme-là, Abraham, après diverses choses quand Dieu lui avait parlé, il est marqué dans Genèse 22 au chapitre 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit Abraham. Et Abraham répondit, me voici. Il ne discute pas. Aucun mot. Aucune discute. Il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le, on le pose sur une des montagnes, je te dirai. Jésus. Je me suis mis à la place de cet homme-là. Je me suis dit, Seigneur, comment offrir ce qu'il attendait plus? Comment offrir ce qu'il attendait plus? Ça faisait 100 ans qu'il attendait. Ça faisait 100 ans que la promesse était pour lui. Et puis ça fait longtemps que la promesse est sur toi. Ça fait longtemps et puis Dieu va certainement te demander. Il va certainement te mettre à l'épreuve. Et je voudrais dire, j'ai trouvé, je me suis arrêté sur deux points. J'ai trouvé le Seigneur. Je me suis dit, il lui demande de faire un sacrifice. Et aussi, il lui demande d'aller le faire sur une montagne. Deux choses très difficiles. La première, c'est incalculable. Mais la deuxième, c'est, ça demande des efforts. Il faut monter sur une montagne. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'escalade, vous montez sur une montagne. Mais au bout de quelques mètres, ben, ça tire vite dans les jambes. Et puis, on est vite fatigué. Vous savez, on est vite fatigué. Et je me suis dit, Seigneur, ta grâce. Mais d'où est-ce qu'il a pris cette force-là, ce homme-là? Je me suis dit, où c'est qu'il a été prendre cette force-là? Et lui, il a dû passer, il a dû regarder son fils à côté de lui. Il a dû dire, Seigneur, je peux pas. C'est ce que je m'aurais dit, moi. Et quand Dieu demande, Seigneur, parce que Dieu va nous demander certainement de faire des efforts, certainement de renoncer à beaucoup de choses, certainement de faire des choses qu'on n'y penserait même pas, parce que ça, il n'y a pas plus pire que ça. Et là, je me suis dit, Seigneur, mais où est-ce qu'il a pris cette force, comme moi, pour aller donner son fils, et puis pour gravir cette montagne, parce que ton fils, il était à côté de lui, là. Et j'ai trouvé un texte.
J'ai trouvé un texte. C'est le frère Michel qui nous l'a donné hier dans les cours. Il est écrit dans Hébreux 11:8 que c'est par la foi qu'Abraham obéit. Amen. Je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, je voudrais vous le dire devant Dieu. C'est par la foi qu'Abraham marcha sur la montagne. C'est par la foi qu'on va pouvoir déplacer les montagnes. C'est par la foi que toutes ces choses qui vont s'ouvrir devant nous, tous ces problèmes, toutes ces difficultés, ben c'est par la foi qu'on va pouvoir les battre. Et je voudrais juste terminer avec ça. Il reste deux petits textes. Et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, on est au commencement. On est au commencement des écoles bibliques et on va commencer à bâtir. Alors j'ai dit, Seigneur, donne-moi un petit texte, aide-moi, c'est vraiment ce que tu veux. Puis j'ai trouvé un texte dans 2 Chroniques 3:1. Il est écrit que Salomon commençait à bâtir la maison de l'Éternel sur la montagne de Morija, qui avait été invité à David, son père, dans les lieux préparés par David. Et je me suis dit, Seigneur, tu lui as demandé à Abraham d'aller offrir son fils sur cette montagne-là, ça signifie quoi? Ben, cette montagne-là signifie choisi de l'Éternel. Vous savez tous qu'on est là, on a tous été choisis. Et devant Dieu, reculons pas devant l'ennemi. Parce que certainement qu'il va y avoir des jours difficiles, certainement qu'il va y avoir des jours qui ne seront pas avec nous, mais il faudra combattre avec la foi. Et je voudrais terminer avec simplement ce texte-là. Parce que je ne pouvais pas commencer ma première prédication, le premier mot de Dieu, sans parler de lui. Je ne pouvais pas. Il est écrit dans Ésaïe 6, verset 8. C'est le plus beau sacrifice. Ça a été le plus beau sacrifice pour l'homme. Parce qu'il a sauvé toute l'humanité. Aujourd'hui, si vous êtes là, et moi je suis là, c'est à cause de lui. Amen. C'est à cause de lui. Il est écrit dans Ésaïe au verset 6, au chapitre 6 et au verset 8. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et Noé se fit entendre. Et Noé se fit entendre dans le ciel. Alléluia. Père, envoie-moi pour faire connaître ton amour. Amen. Et j'aimerais vous dire simplement. J'aimerais vous dire, conclure avec ça, que si on a l'amour en priorité, et si on a la foi, eh bien on pourra gravir n'importe quelle montagne, n'importe quelle difficulté, on pourra les gravir. Et je voudrais demander encore à mes copains qui s'aiment, et puis qui prient. Gloire à Dieu, merci à Dieu, rien que la parole du Seigneur. Merci pour ce demi message merveilleux. Merci parce que Dieu prend le fardeau lourd. Et l'air allégé, c'est le miracle du Seigneur. Et Dieu bénisse et qu'obéisse. Tout est quitte à Dieu. Et la création, leurs problèmes, leurs soucis, leurs habitudes. Comme Abraham, il y a Dieu qui quittera Abraham. Lorsque Abraham a obéi, il était une grande bénédiction. Ça nous sent pour toi, je crois. Hein? Alors voilà, quand on dit ensemble, je vous dirai de se tenir une fois. Allez, quand même. Seigneur, hein? Cherchez ce qui est fait. Merci pour l'école de nous. Nous sommes nous, âgés du ciel, et solitaires de l'éternité. Mais sacrifiés pour ce que nous avons.
Toutes les familles venaient. Le terrain était rempli de caravanes, il y avait 500 caravanes. Vous avez des problèmes, des soucis, plein d'hiver, plein de poubelles aussi. Alors, et ça coûtait plein de sous, plein de loués. Alors, on a dû, pour sauver l'école publique, arrêter tout et garder l'école publique telle qu'elle est. Alors, que Dieu nous bénisse, on va prier. On va prier pour les malades aussi, parce qu'il y en a plein de cas. Et puis aussi, prier pour chacun de vous, et prier pour notre mission. Prier pour les serviteurs de Dieu, la retraite spirituelle qui arrive, et surtout que notre école biblique se termine dans de bonnes conditions. Elle a commencé dans de bonnes conditions. On déplore bien sûr le départ de Paillon, mais c'est un grand bidon, l'école biblique. On le ressent beaucoup. Priez pour sa famille, priez pour sa femme, ses enfants, et il faut le porter dans nos cœurs. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es présent parmi nous. Combien nous bénissons ton nom, te rendons grâce pour tous les témoignages que nous avons entendus. Si tu n'étais pas là, si l'évangile n'était pas attesté, que feraient tous ces hommes, ces femmes qui seraient là? Seigneur notre Dieu, ce ne serait que du cinéma, mais Seigneur, tu es là derrière, par ton Esprit Saint, tu touches les cœurs, tu fais des miracles dans les cœurs, tu changes les vies, tu pardonnes les péchés et tu attires à toi. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous, pour nos familles, pour ceux qui sont désespérés, ceux qui étaient angoissés et ceux qui avaient peur de la mort, ceux qui étaient malades, et que tu as touché, que tu as parlé, que tu as attiré à toi, et tu as sauvé, et que tu as amené ici, et pour te servir. Nous te prions de prendre en charge chaque élève, de bénir sa femme, ses enfants, de bénir tous ceux qui sont là, de bénir les parents et les familles, que chaque élève puisse être Seigneur demain, dans sa famille, l'objet d'une grande bénédiction. Nous te supplions de le faire et nous te rendons grâce pour cela. Viens accompagner chacun de nous. Bénis nos malades, bénis nos souffrants, ceux qui, Seigneur, sont suivis aussi et qui ont besoin de ta grâce, ceux qui, Seigneur, tournent les regards vers toi et aussi tournent les regards vers l'école biblique, sachant que ici, le Seigneur les élèves prient pour les malades. Souviens-toi, Seigneur, de prier car de sa petite famille, de ses enfants. Prends-les en charge, bénis-les, console-les, sanctifie-les. Nous te prions, nous te supplions de le faire, et toute la famille, les neveux et tous ceux qui se les entourent et les nièces. Nous te rendons grâce. Nous te recommandons cette école biblique, nous te recommandons notre mission. Nous te recommandons, Seigneur, l'action sociale. Nous te recommandons, Seigneur, les activités qui se font dans les prisons. Nous te recommandons, Seigneur, l'action missionnaire. Nous te supplions de bénir tous ces hommes que tu appelles de droite et de gauche. Nous voulons te dire merci pour le miracle que tu as fait parmi nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons.